L'histoire de Flo et Tracy ressemble à un véritable conte de fées. Les deux candidats de mariés au premier regard 2024, compatibles à 81%, se sont unis devant leurs proches et très vite, une belle complicité est née. Le charmant brin a réussi à faire sauter une à une les barrières que sa femme se mettait. Ainsi, sans surprise, ils ont décidé de rester mariés. Flo a même fait sa demande à sa chère et tendre face aux experts. Était-il encore en couple 6 mois après le tournage? C'est tout d'abord séparés qu'ils ont découvert les images de leur expérience lors de l'épisode du 10 juin, disponible sur MC+. C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont revu leur portrait, l'annonce de leur compatibilité ou encore leur mariage. Puis, il était l'heure de les retrouver, tous les deux réunis. En effet, Flo et Tracy forment encore un couple. On est encore plus amoureux. C'est le feu, a déclaré la brunette. Je suis encore là, tu as tenu bon, a plaisanté le jeune homme. Et d'ajouter que ce n'était que du bonheur. Depuis des mois, le couple partage son quotidien entre Bayonne où Flo habite et Biscarrosse où son épouse travaille. Une distance qui n'a pas d'impact sur leur histoire. Ils réussissent toujours à trouver du temps pour se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Et ils ont trouvé le bon équilibre entre amour et humour. Le rire, c'est une grosse base solide de notre couple. Dès la cérémonie, le rire nous a rassemblés. Entre nous, c'est fluide. C'est une vie de couple normale. On a commencé à l'envers avec le mariage mais on est vraiment amoureux. Quand on est ensemble, il y a tout qui va, a poursuivi le candidat. Et sa femme d'ajouter. On a même pensé à un moment que l'un et l'autre avaient reçu des tips pour pouvoir séduire l'autre. Pour eux, le destin les a réunis tant leur histoire est forte. Flo et Tracy ont prévu de réunir tous leurs amis pour leur annoncer une grande nouvelle. Mais quelle est-elle? Un emménagement? Un nouveau mariage? Un bébé? Ils viennent de prendre une décision qui va bouleverser leur avenir, a uniquement confié la voix off. Puis, Tracy a expliqué qu'ils ont fait le choix de vivre ensemble dans quelques mois. C'est à Bayonne qu'ils vont poser leurs valises, pour leur plus grand bonheur. On peut donc définitivement dire que l'expérience MAP a changé leur vie. Prochaines étapes, une belle vie à deux et des enfants.